Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playrooms de l'épisode 2 Elite Dangerous, chers amis, toujours dans la version Horizon, hein, 2.1 Horizon. Donc, on allume les phares. Plusieurs choses dont je dois vous parler. Nous sommes à Black Isle actuellement pour un ingénieur qui nécessite d'avoir donc... Voilà, c'est ici. Allez vous montrer quand même ça directement, ce sera plus simple pour vous expliquer. Il nécessite d'avoir certains compos. Des plaques de dissipation thermique à récolter sur des vaisseaux de transport. On va voir ça d'une source de signal. Autrement dit, il faudrait normalement qu'on tue des gens. Par conséquent, équipement, support utilitaire, si je ne me trompe pas. Aucun stock. On n'aurait pas de bol à ce point. Primordiaux interne, ça va pas être là-dedans. Ok, répartir de puissance, d'accord. Apparemment, on va pas avoir ce qu'il faut. Interne optionnel. Ok, il a pas de truc génial lui. Bon, on va se déplacer sur une station un peu plus efficace. Pourquoi tout ça, chers amis? Parce que je pense qu'on va se rendre dans un système anarchique pour aller buter justement des vaisseaux de transport. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends me rendre dans la plus grande légalité possible dans ce système pour interdire, donc c'est-à-dire utiliser un module d'interdiction, pour interdire des vaisseaux cargo, donc des T7, des T9, des T6 et des killbacks aussi, on verra bien. Et donc, potentiellement me faire des crédits, en tout cas, pas vraiment les crédits en eux-mêmes, mais plutôt les plaques, les fameuses plaques. Et voir si oui ou non on aura la chance de pouvoir les tomber. Ce serait vraiment génial. Hop, on va suivre le vecteur d'évitement. Crac. Parfait, on est pile comme il faut. On va se rendre à la station, on va aller voir ça, puis on va chercher un système anarchique autour. L'objectif étant, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, de rester dans la légalité, entre guillemets, la plus claire. Et cependant, réussir à atteindre nos objectifs, qui sont d'améliorer nos armes. De mémoire, dans cette mise à jour, je l'ai lu hier soir, le patch, parce que, enfin, je sais pas s'il a changé entre temps, mais... dans cette mise à jour, les tourelles sont plus efficaces encore, il me semble. Justement parce qu'en fait, les IA étant un peu plus efficaces justement en elles-mêmes, ils ont fait le choix d'améliorer légèrement les tourelles pour ceux qui en utilisaient, pour les rendre déjà plus viables. Ok, ça me semble plus ou moins bon, j'attends un petit peu et c'est bon. Pour moi, on est bon. Et forcément, c'est derrière le soleil. Forcément. Ok, on y va. C'est dur de sortir de la planète quand même, hein. C'est dur. Ah bah tiens, une source de signal identifiée. On va commencer par les scanner déjà. Parce qu'on peut trouver... Appel de détresse. Ah. Menace 2. Hop. On va la faire. Souvent dans les appels de détresse, en fait, on peut tomber sur des vaisseaux cassés déjà. Et donc ces vaisseaux... Une cible à portée. Ah bah voilà. Comment ça tremble? Comment ça tremble, je te dis. Hop. Ils sont combien dans le coin? Hop. Ils sont au moins 3 à m'attaquer. Oh, c'est quoi ce bordel? Allez. Crac.
Marcus. Pète-le. Voilà. C'est déjà mieux. Hop. On devrait recharger un petit peu notre bouclier. Voilà. On en a eu un. Il commence à être nombreux. Hein. Ok. Je pense qu'on va. Si on a. Là, on va faire la fuite. On fait la fuite. On joue la fuite. On joue la fuite. On joue la fuite. Force de l'ordre en position, mais c'est quand même pas. Trop dangereux. Trop dangereux, trop dangereux, trop dangereux. C'est dommage. On avait trop de danger dans la zone. C'est vraiment dommage. On va quand même rechercher la station. C'est un petit peu trop risqué. Le team play, chers amis. Le team play, c'est la vie. Malheureusement, on est tout seul. Ça changera quand on viendra, quand je reviendrai de mes. On va appeler ça des vacances, cela dit. Allez, on va dire ça. On va dire que c'est des vacances, même si ça va pas vraiment être comme ça. En tout cas, de mes vacances YouTube, on va dire. Voilà. Je ne serai pas sur YouTube, entre guillemets, à tourner. Mais vous aurez vos vidéos tous les jours. Ne vous inquiétez pas, chers amis. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Normalement, même les comptes là sont pas trop mauvais. Ça devrait être possible une fois que The Technomancer et Lego Star Wars sont sortis, ça devrait être bon. D'ailleurs, faudrait que je regarde. Je devrais avoir des nouvelles normalement de mon sponsor de GamesPlanet.com. Mais je n'en ai pas. Je vérifie quand même. J'en ai pas. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a là? Dispersion de convoi détectée, menace 3. Non. Je crois qu'on avait vu que les dispersions de convoi, c'était en fait. C'était en fait des cibles pour pirates. Hein. Il me semble que c'est ce qu'on avait conclu au final. Alors. Oui, bah écoute, moi je demande qu'à ralentir, hein, seulement là pour le coup c'est pas moi le problème. Hein. On l'a loupé. Crac. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Allez. On s'en met bien en face, ça devrait être bon. Crac. Vonarburg coopérative. Vonarburg coopératif. Alors, on accélère un petit peu quand même. Et bim, on est bon. Est-ce qu'on va réussir à atterrir en face? Enfin, à arriver en face. C'est long. Eh ben non, toujours pas. Est-ce que c'est normal ou... Je commence à me poser des questions, moi. Pas grand monde sous cette station. Hop. Ah bah maintenant que j'ai plus de trucs sur moi d'illégal, y'a plus personne pour me scanner, hein. Alors, on a dit quel truc? Putain, c'est lumineux dans le coin. Alors, je le vois pas. Est-ce que vous le voyez? Je vois 16. Nous, on cherche 7. Ok. Je vois 16, mais c'est pas ce qu'on cherche. Si, je le vois là, ça y est. Oh là là. Invisible. Mais c'est sympa comme endroit, dis donc. Des espèces de cerfs, non?
Hop. Crac. En douceur. Service de spatioport, donc. En espérant qu'ils ont un équipementier. C'est bon. On fait le plein, on ravitaille. Contact, on a eu une cible. Normalement, on devrait pouvoir récupérer quelques crédits. Voilà. Marché noir, pas besoin. Équipementier, donc. On va aller voir ça. Parce que je me suis renseigné, j'ai un petit guide à ma gauche, on va dire. Une espèce de guide sur comment plus ou moins... Enfin, comment trouver les trucs. Non. Ça dit, en fait, plus ou moins, par exemple, vous voyez, la céramique résistante à la chaleur, reste de vaisseau de transport ou signaux de débris. Voilà, c'est tout ce que ça me dit. Je sais même pas à quoi correspond vraiment un signal de débris. Mais bon, en soi, c'est pas le plus important. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Je ne sais plus. Détecteur de recherche, détecteur de gravitation. Non, apparemment, ce serait pas ça. Optionnel, peut-être. Détecteur de découverte avancée, réserve de cellules d'énergie, récupérateur de carburant. Contrôleur de collecteur, et ça faut que je les garde. Faudrait que je vire le... Ça ? Intercepteur FSD, ouais, ce serait ça. Temps de chargement, portée 7S. D'accord. J'imagine que la portée pourrait être intéressante. Ok. Ok. On part là-dessus. Bénéfice net 1 200 000 crédits. Bah oui. Fais chier. J'aimais bien moi l'explo. Ok. Bon. Vite fait, juste pour voir, pour le principe. Vu que j'ai plus rien, bah je peux rendre toute la page, parfait. Comme ça, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc maintenant, on va chercher un système anarchique. Vous allez voir, c'est très simple. Carte. Gouvernement. Je sais pas s'il y a un bouton pour décocher tout, cocher tout, il devrait le rajouter ce bouton. Hop, crac, voilà tous les systèmes anarchiques de la région. Ithaca. Il y a du passage là-dedans ou pas? Population 7K5. Politique expansionniste, d'accord. 3 millions 3, ah. Là c'est déjà plus intéressant. Combien de sous pour y arriver? 2. Ok, on y va. Là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On va quand même placer le groupe d'armes normalement. L'intercepteur FSD, il est sur 1, alors que j'ai les contrôles de collecteur et les avis de recherche. Non, ça m'intéresse pas. C'est débile. Dissipateur thermique, nanana. Ok, bah c'est là que je vais le mettre. Hein. C'est là que je vais le mettre, ouais c'est bon. On y va. On y va en douceur, même si la station est un peu con. Hein. Honnêtement, je trouve que c'est un peu con comme station. Vis-à-vis du fait que... Bah, les couleurs sont mal choisies, je trouve, simplement. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ok, on y va. Bolg. Le nom est sympa. Bon, on a deux sauts à faire, de toute façon. Et après, on va s'intéresser à tout ce qui est transport. Même si je doute qu'il soit pour la plupart seul. Hein. Ok, on y va. Et puis, il faut les trouver déjà. Hein. Faudra les trouver. Et réussir à les intercepter. Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on va y arriver? Franchement, je pense qu'on va reperdre 7 millions de crédits. Et c'est pas de la mauvaise foi, hein. C'est juste que je m'attends à des vaisseaux dans un système anarchique. Déjà, je m'attends à beaucoup de combats en dehors de ce que je vais être censé chercher. Ce que je vais me faire aussi interdire, je pense.
Et de plus, d'ici là qu'on trouve le truc seul, on peut toujours chercher. Sauf peut-être des killbacks. Des killbacks, on pourra peut-être les trouver seul. Et encore. Et encore, et encore, et encore. Ok. Dans 3, 2, 1. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. 84%, on est bien descendu au niveau de la fédération. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour baisser? Alors là, par contre, c'est une autre histoire. Ok, on y est. Bon. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. On va attendre dans la zone. Sur le signal non identifié. Attendez, on va quand même regarder un petit peu. Tir détecté, menace, 4. Non. Balise de navigation. Trop risqué. Je préférerais encore attendre des... des cibles, personnellement. Peut-être qu'en se dirigeant vers une station, cela dit... Ah, attendez. Les Diamondbacks, c'est pas des vaisseaux... Ils sont à 3, ça m'intéresse pas. À 3, c'est trop risqué. C'est trop risqué. C'est les 3, ça, je pense. Létal, vous voyez, en plus. C'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Autre chose ? Viper MK4, ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que t'es, toi? Passer derrière la cible. T'es un rigolo. Lui, c'est tout ce qu'il attend. Je me trompe de bouton, excusez-moi. Ça y est. Ok, ça met dans l'ambiance. Je crois, tu crois pas que je réalise à qui j'ai affaire? Non, t'as raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Je réalise pas. Je sais pas si on peut considérer véritablement le la XP Scout comme un vaisseau de transport, je pense pas honnêtement. Cela dit, si on en trouve, on a vraiment du bol. Allez. Hop. Et c'est bon. Okay. Proto-alliage léger, rien du tout. Processeur chimique, ça peut être intéressant. Par contre, ça, on va le récupérer. Alors, cargo scoop deployed, mais rétracté ensuite. Aïe, excuse-moi. Regardez le petit bouton bleu s'il s'allumait ou pas. Ok. On saute. On saute, on saute, on saute, on saute. C'est comme ça qu'on va essayer de farmer, hein. Avec la trajectoire du vaisseau. Oh là là.
J'ai l'impression que c'est buggé en ce moment. C'est d'une violence. Ok. Ok, ok. Nouvelle source de signal inconnue. Cas détecté. Menace. J'ai pas le temps de voir. Dommage. Dommage, dommage. Menace 1. Attendez. C'est quelque chose à faire là-dedans. Peut-être quelque chose à faire là-dedans. Pitette, 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 pitette. Alors. Allez. Ah. Allez. Avance. Allez. Hop. Je suis à fond de cale. Hein. Hop, c'est bon. Oh, pardon, excusez-moi. Je me trompe d'armement. Oups, t'as pris cher, excuse-toi. Gaspillons pas notre armement, ce serait stupide. T'as mal? Est-ce que tu as mal? Fais chier si ce mec. Oh, t'es sérieux? Je crois qu'il va pas tarder à sauter en plus. Mais non! Oh, il a sauté! Non! Non, 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 ça se fait pas, ça, mon ami. Imperial Clipper. Ça peut être intéressant, ça. Ah, il attaque quelque chose, apparemment. Ok, allez. Hop. Hop, hop, hop. On va en profiter pour viser son générateur quand même. Oui, bah tu sais, le frontal et moi, hein, ça fait 32. Oups, ça doit faire mal. Allez! Ça y est, ça touche. Hop! T'es vraiment mauvais, toi, par contre. Hein. Sans vouloir t'insulter, hein, mais enfin bon, ça t'insulte quand même. Alors. Encore un monsieur par là. En Cobra MK3. Tu sais que du coup, moi j'en ai strictement rien à faire de toi en fait, hein, finalement. Alors, processeur chimique, composite à haute densité, il y a du bordel. Il y a du bordel, on va commencer par aller chercher ça. Oula, hop. Crac, vas-y, va le chercher. Et mettons des boucliers à les récupérer. Nanana. D'accord, donc il n'y a pas du tout ce qu'on recherche. Il n'y a pas du tout ce qu'on recherche, c'est dommage. Je vois un truc par là, c'est rigolo. Il y a plusieurs fois que je vois un petit tic là. Non? Non? Ok. Bon bah on saute alors. Jusque là ça se passe pas si mal. On s'en sort pas trop mal.
Mais bon, on trouve pas ce qu'on veut. Comme je l'avais prédit finalement. Je pense que je vais avoir besoin de faire plus de recherches. Site d'extraction de ressources pauvre. Ça peut être intéressant s'il est pauvre, il y aura peut-être peu de monde. Est-ce que ça vaut le coup, cela dit, d'y aller? Ah là là. C'est là qu'est tout le dilemme, chers amis. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Allez, on se tente. On le tente. S'il n'y a pas grand monde, ça peut être intéressant. Il y a quoi par là? Je vais te louper, ça vaut pas le coup. J'ai juste perdu du temps. Ok. Allons-y. Hop, cet épisode s'appellera expérimentation. D'une idée. Hop, voilà. On va bien voir, hein. Je sais pas si ça va être fonctionnel. Hein. Je pense que ça va prendre quelques épisodes de pouvoir la tester et tout ça. Mais bah, au moins ça va faire de l'action quoi. Parce que t'as là, y'a pas de soucis. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon. Alors, on y est presque. C'est peut-être commencé drôlement long, par contre, j'ai l'impression. Il va falloir que je fasse attention. Hop. Oui, j'ai réduit un petit peu la longueur des épisodes pour le moment, parce qu'en fait, comme je tourne beaucoup, mes journées se finissent à 3h du matin ou 4h du matin parfois. Et du coup, comme je me réveille à... Yael Rétine. Inoffensive Viper MK3. Vous vous rappelez les petits, c'est toujours de cette manière. Et de 1. Ça fait beaucoup d'ennemis autour par contre. Viper MK4 avec un autre Viper MK4. On y va. On leur laisse pas le luxe de pouvoir se défendre. Et de 1. Hop. Alors papa, viens voir papa. Crac. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Émetteur de bouclier, cristaux galvanisés, alliage de phase récupéré. Oh, ils ont rien de ce qui m'intéresse. Ok. On reprend la route, chers amis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors. Oula, on va peut-être un petit peu vite. Crac, on a un pauvre. On a un dangereux. Dangereux, il n'y a pas de flic. Tu me diras, on est dans un anarchique. Ah, vaut peut-être mieux quand même aller dans le pauvre. Sur le principe. Adder, c'est considéré comme un vaisseau de transport, ça ou pas? Sûrement. Je me tâte. Non, on va pas le faire. On y va. Hop. Ça devrait passer. Ça passe, chers amis. Bon. Wow, de la glace. Ah, on les avait pas encore fait. C'est joli. C'est vraiment très joli. Alors, ici, on a quoi?
Ici on a quoi? Vous voyez quelque chose, vous? Putain, je le vois. Je vois une abeille qui vole là-bas. Sidewinder, non, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas ce qui nous intéresse. Kradji. C'est quoi Kradji? Oula, il y a des grosses choses dans la zone. Il y a des grosses choses dans la zone. Il n'y a rien qui nous intéresse dans la forme. Ah si, attendez. J'en ai croisé un. Rien ne m'échappe, et bah tant mieux pour toi, écoute. Oh, c'est joli, regardez ça! T'as du bol. Tu l'as esquivé, mais de rien, mon ami. Allez! Dis-moi que t'en as sur toi. Alliage galvanique, non, il n'y a pas. Dommage. Dommage, dommage. MK3. Sidewinder. ASP Scout, non, il n'y aura rien. Ah là là. On va s'occuper de celui-là. Ça peut être rigolo. Allez. Allez. Ça tombe bien, c'est toi que je voulais avoir. Hop. On se revoit dans 2 ans. Quand t'auras appris à jouer. Il s'attaque à ça? Hop. Ça peut être rigolo. Hop là. Ça a touché ou pas? Je doute. Ah, ils sont plusieurs. J'ai été con. J'ai été complètement con. Hop, allez. Pas pour longtemps. Boum. Dégage. Autour de ton copain maintenant. Allez. Allez Marcus. Il tente de surprendre ton adversaire. Crac. Je devrais être en mesure de l'abattre sans avoir à me faire chier avec mes boucliers. Non, je vais le déclencher. Parce que sinon, je risque de me faire agresser par d'autres personnes. La précision de mes tirs est pas bonne. Mais par contre, quand je touche, je fais mal. Allez, allez, viens voir papa, c'est bon. Est-ce qu'ils avaient quelque chose qui m'intéresse? C'est composite à haute densité, processeur chimique x2, haha. Hahaha. C'est quoi ça? Fragment, d'accord, oui c'est des trucs... D'accord. 4,58. 4,56. On va s'y diriger. Et j'aurai pas le temps de les récupérer, clairement. Clairement. Ça vaut pas le coup. Guetteur du gang de Kumo. On va continuer le combat plutôt. Ça va être bien plus intéressant.
Dommage. Ça aurait été tellement beau. Ça aurait été tellement beau. Il est trop loin. C'est un insecte pour moi. On va toucher ça, tiens. Non, il part trop loin. Ça m'intéresse pas. On va plutôt regarder ce qu'il y a là-dedans. Back Explorer, Sidewinder, y'a rien. Y'a véritablement rien à porter. Par contre, y'a du combat là-bas, j'ai l'impression, non? Une nouvelle cible. Y'a le fer de lance. Mais là, c'est risqué. Faut qu'il soit tout seul. Et même tout seul, ça va être très très risqué. Allez! Allez Marcus, place-toi. Touché. Hop. Allez, ah c'est chiant, on perd de la mobilité. Trop tôt. C'est ça que je devrais faire, oui je suis stupide. En fait je réfléchis à comment je pourrais améliorer ma maniabilité après un boost. Et c'est très simple, c'est remonter mon pipe de comment que s'appelle de... Hop. Pour un processeur chimique je vais pas gaspiller... Ah. Vas-y. Hop. Récupère les choses. Bon. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là du coup pour cet épisode. Je vais récupérer un maximum de choses qu'il y a dans le coin. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Ne pas trop le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens et yop.